l'enceinte de la place des martyrs où il va poser, déposer des gerbes de fleurs. Madame, ça va? Voilà, il vient juste de déposer Venez la, vivez la fête de l'indépendance de la Guinée en direct sur Gangan TV. Il est en train de procéder à l'instant même à la pose de la gerbe de fleurs au niveau de la place des martyrs. C'est déjà fini, il est en train de se retourner et sûrement ça sera la place au discours, parce qu'on voit des confrères avec des caméras qui sont en train de courir à la quête d'images. Le colonel est en train de sortir en tout cas de la place des martyrs. Oui, sortir de la place des martyrs. Saluer ces personnalités qui sont présentes ici à la place de la République avec un discours. Nous allons voir le protocole de la gouverneure qui a donc il va se prêter aux questions. Oh, wow. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre en direct ce que le président est en train de dire, mais déjà il se prête, il a son petit mot à dire à cette occasion, et c'est de tradition, c'est de coutume. Voilà, il a fini, donc il va se diriger vers les officiels, les invités. Pour le moment, il commence par les officiers généraux de l'armée. Là, il se met juste en garde à vous et il continue vers les diplomates cette fois-ci. Vous vous souvenez de cette chanson qui rappelle le 2 octobre 2018, année à laquelle nous avons, le peuple guinéen a découvert ce temps. Le colonel Mamadi Doumbouya qui se dirige maintenant. Voilà. Il va donc se diriger vers, va chercher à évoluer vers lui, le président colonel Mamadi Doumbouya. Bon capi. Colonel Mamadi Doumbouya qui évolue donc. Allô, allô, allô. Allô. Mon ami.
faut que tu évolues vite. Oui, ça marche pas. Voilà. Évolue vite. Voilà. Bouge la première dame. Revue de la troupe qui va donc difficile, vous pouvez bien le constater, mais vous avez quand même eu droit à l'actualité en direct sur la page de Gangan TV. Le chef de l'État fait la revue des troupes. Voilà. Voilà. Le chef de l'État, accompagné de son épouse, la première dame, qui évolue, constatez que c'est difficile. Il est sous bonne escorte. Vous pouvez bien voir l'étendue de son escorte. La garde rapprochée du chef de l'État. Difficile de trouver ces images. Mais vous avez eu droit à quelque chose quand même. Le chef de l'État donc qui va s'embarquer. Vivez l'événement en direct et vous avez eu présent
de choisir bien sûr Ganga TV. Voici la grandeur de la troupe ou de l'escorte. Vous pouvez bien voir avec les médias au rendez-vous jusqu'à la porte. À partir de là, l'accès sera impossible. Les officiers généraux qui rentrent, le général Lamori, vous le voyez à pied. Voilà. Le président de la République qui rentre désormais au palais au 25. Général Lamori à pied. Voilà. Ils sont nombreux, hein. L'accès n'est plus possible. Hein. On va se diriger vers les personnalités. Voilà, les officiers supérieurs de l'armée qui rentrent. Le général Baldé est là. Général Bafoué. Général Toumani Sangaré. Ils sont tous là. Vous suivez en direct. Voilà, ils rentrent tous dans la cour de la présidence de la République. Le palais des nations. La course qui se fait, tout le monde ne pourra pas avoir accès. Il faut ouvrir, tout le monde n'est pas rentré. Voilà. Ce sont les éléments des forces spéciales, du groupement des forces spéciales, ceux qui assurent la sécurité du chef de l'État. Nous sommes au cœur de l'événement, il faut le dire. Ils sont très rares à avoir accès à ce point. Vous avez eu droit, comme si vous y étiez, un des hommes forts de cette nouvelle équipe dirigeante. Il est là, le commandant. Voilà. Vous le connaissez déjà, ce sont les grands. Alors, un bain de foule. Un bain de foule pour ce monsieur. Colonel Bala Samoura. Colonel Bala Samoura, aussi qui vient. Non, c'est la presse, non. Laissez-moi travailler. Colonel Bala Samoura qui arrive. C'est lui l'homme fort de Colonel Lama. Colonel Bala Samoura, voici l'un des hommes forts du CNRD. Il a fini de gérer l'événement, il rentre dans la cour. Là, il faut gérer la cour. Il faut gérer la cour parce que tout le monde veut avoir accès à ce palais aujourd'hui. Et regardez ce qu'il faut. Au cœur de l'événement.
compagnie mobile d'intervention et de sécurité. Voilà. Après, les conservateurs de la nature, Adil Hachef en tête de peloton. Après, le commandant gère la douane nationale, les soldats de l'économie guinéenne.